Salut, salut, bonjour, bonjour, bonsoir, la grande famille de B52, la mignonne officielle. Hein, moi, votre humble servante, maman mignonne, je vous dis toujours que vous servir, c'est notre devoir. Voilà pourquoi tu es la rabisseuse toujours, bah, élément ou le kakato, ou na chaîne, nabino, ou bolinaka mingi, B52, la mignonne officielle. Vraiment, ce que les ambassadeurs et les chaîne ou tout aussi n'ont qu'à s'abonner, abonnez-vous, aimez, commentez, partagez, ça nous fera énormément, énormément du plaisir. Voilà la grande famille. Les lots et libino histoire y a Déborah, Luca, Lutomoni, na réseaux sociaux, moto et pelisusu et Yindi Yakoyinda. Déborah les canards qui n'a émission mon avec un pasteur, na Côte d'Ivoire. Déborah Lukalu aza vraiment humilié, humilié na ma finga depuis lobby. Tango témoignage na sali na Côte d'Ivoire, na pasteur Oyo. Rolex Salomon, je crois ça, Ivoirien ou Camerounais comme ça. Après émission ya Déborah Lukalu, na pasteur na Bissouana. Bandeko, bazo finga, la sœur Deborah Lukalu ke azazoba, bazo finga e na ba façon nyonso tout pour nani. Parce que biso nyonso to yebi ke na 2021 mobali ya sœur na biso Deborah Lukalu ba publia ki ye. Et salamaki ke Deborah Lukalu azalaki tellement humilié ayo kota ndakuka. Mais Aéba qui te que tant ma kambouana nyo se salami, azaki déjà grosse, azaka déjà nazim. Après, en 2022, a kakatoyo mouna ke, sa Deborah Lukalu abima ki sous na réseaux sociaux, aloba ki ke non, denge zabouye, mobile nangai, il se fait qu'on a été humilié, mais nzambe, apesi makasi, a ou la kisa souba na e na ba réseaux sociaux te, a ou la kisa souba na e na ba réseaux sociaux te, Aza toujours ensemble na mobali na ye wana témoignage wana salaki yango na Afrique du Sud. J'espère que bato belé oyo ndenge na zolo baboye toza koyoka tozo se rappeler na témoignage ya sœur na biso Deborah Lukalu oyo asalaki to surtout ki lisusu na 2023 awawa sœur Deborah asongi lisusu na même histoire qui na na limbisa ki mobali na ngai po sœur Deborah Lukalu et po Satana kote la ki mobali na ngai na kati ya chambre. Hey, nzambe. Sœur Deborah alobi mobali na ye Satana kota ki na chambre a filmé pe a humilié. Mais biso nyonso tout ozo ebake ezalaki chambre ya ndako te ezalaki chambre d'hôtel. Au papa Albima qui pensa na ndako pam 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 a ke pena na hotel nenge ka kezalaka. Normalement, il fallait ne papa Cédric aller kana réseaux sociaux pour s'excuser. Ke non ndenge za boye ezalaka nango parce que Bible lobi na biso te toza ba toza na biso ba juge te to ba nzambe te pour toi ko juger. Mais par respect il fallait ndé le frère Cédric yemoko ale kana ba réseaux sociaux nenge sœur na biso Déborah zo sala pour na ko s'excuser na acte wana. Mais toujours mon que sœur Déborah azo bima na réseau pour na ko luka na ko senga sorry pour na mobali na ye moi si wana oyo a filma ki le frère Cédric. Batu bazo silika la grande famille, batu bazo silika. Non, tu la biso moi audio wana, hein? Non, tu la bino pour na bino mon bébé, quand non tu la bino mon bolanda bino monko. Maloba ya sœur Deborah, hein? Ndenge c'est pas ça qui que nzambe moko la ki sa ki ye ba makambana nyo surtout avant et salama. Mais ba côté la kango prière tout et tout. Nazo tse la biso audio wana ngana bino to landango ensemble tous ensemble pinga to yoka audio yango po na nga fallait le frère Cédric yé mokonde aya kolika
Asenga, pardon Anna Oyo, Mdekonabiso, mais la sœur Deborah que j'aime tellement trop, Asosenga et surtout. Naoche la biso audio Anna, Tomeka un peu Kolandango biso surtout ensemble. Oyo, émission Asalina Pasteur Oyo, Aja je crois Camerounais ou Ivoirien comme ça. Émission où ils ont lobby sali sous bateau et ils sous kotumbo la sous encore biso ba congolais tolinga koyo kali kambute surtout ceux qui ont le kamaba sala nzambe il y a des live où ils ont sala ma batu bazo ko loba batu bazo finga sœur de Bora mais nzambe a yebindenga ni nazo sala to me ka un peu kolanda. Amen. Amen. Alors, je vais maintenant au témoignage de Déborah. Alors là, elle avait connu dans le cas des non-mariés et ici on est dans le cas de mariage. C'est-à-dire, ils sont mariés depuis combien d'années? 5 ans. 5 ans. 5 ans. Quand l'histoire arrive. Alors, qu'as-tu vécu? Alors, merci papa pour la parole et pour cette invitation, encore une fois. Alors, mon foyer, disons mon mariage, on a traversé une année d'épreuve où j'ai connu l'humiliation. Ce n'était pas dans le quartier, papa, c'était mondialement où les gens m'ont envoyé des vidéos de mon mari. Et ça a causé... Attends, c'est comme ça que tu as appris? Oui. Et les gens ne savent pas, mais on a ouvert cette vidéo ensemble, on était ensemble. Donc, sa petite sœur a appelé, sa petite sœur était en train de crier au téléphone. On voit une vidéo qui circule sur les réseaux sociaux, c'est toi. Alors, à ce moment-là, moi et lui, on ne savait pas de quoi il s'agissait. Alors, il dit à sa petite sœur, on voit la vidéo, c'est quelle vidéo? Alors, il ouvre, il me dit, bébé, viens voir. Et on ouvre, c'était sa vidéo. Mais quand il a dit, viens voir? Il ne savait pas de quoi il s'agissait. Donc, j'étais enceinte de 6 mois. Et on était au Congo pour le travail. Oh là là. Alors, on a vu que le réseau social, c'était très chaud. Les blogueurs ont commencé à débattre. Ils ne savaient pas de quoi il s'agissait. Parce que, papa, il y a des gens qui prennent ton histoire, ils font comme s'ils connaissent ton histoire plus que toi. Donc, ils ont commencé l'humiliation après humiliation. Moi qui étais enceinte, ils m'ont plongé même dans les problèmes comme si c'était moi qui avais fait cet acte. Mais ce qui est vraiment prophétique, le Seigneur m'avait préparé pour ça. Le Seigneur m'avait préparé pour ça. Un jour, j'ai appelé mon mari, il était au Congo, j'étais aux États-Unis. Je lui ai dit, le Seigneur m'a montré qu'il y a une femme qui veut te piéger. Et comme j'avais dit tout à l'heure, papa, Dieu parle. Dieu parle. Souvent, on ne comprend juste pas. Alors, on était entrés en prière. Moi, dans un rêve, j'ai vu une femme qui était venue chez moi à la maison. Donc, quand tu lui as dit que le Seigneur m'a montré... Qu'une femme t'a piégé, oui. Ou bien qu'une femme t'a piégé ou t'a piégé. Ok. C'était, voilà, c'était juste, c'était comme une vision. Et j'ai senti vraiment une présence démoniaque dans ma maison. Et j'étais enceinte, mais j'étais entrée en jeûne. J'ai prié, j'ai vu une femme venir, elle a signalé à gauche, à droite, elle a sorti, je ne sais pas quel esprit en elle qui est entré dans ma maison. Alors j'ai demandé à mon mari si on pouvait entrer en prière. On est entré en prière, on a commencé là, à prier. Là, il était au Congo, tout à l'heure. Il était au Congo. Donc vous avez prié en... Oui, en distance, okay. Voilà. Alors, je pars en Afrique du Sud déposer les enfants chez ma mère pour que je le rejoigne au Congo. C'est le jour que la vidéo a été envoyée. Alors, long story short, on a traversé des moments très difficiles. Papa, ce qui est vrai, moi, Déborah Lukalu, comme je me connais, je n'allais jamais pardonner. Jamais. Mais la manière dont le Seigneur m'a calmé dans la tempête, qui est d'ailleurs mon album s'intitule Trust in the Storm, qui veut dire le calme dans la tempête. Donc faire confiance en Dieu dans la tempête. Une chose que je sais, Dieu ne nous entraîne pas. Les soldats ne sont pas entraînés pour la paix. Ils sont entraînés pour la guerre. Donc moi, je savais déjà que j'étais en guerre et que je devrais me calmer, écouter mon mari, parce qu'il disait toujours qu'il devrait voir notre parrain. Il devrait voir notre parrain. Et il disait ça avant l'histoire. Avant cette histoire. Oui. Alors, il avait peur de me dire. Et bon, long story short, comme je veux dire, papa, c'était très lent. Ça a impliqué la famille. Donc, du coup, moi, pour moi, j'ai voulu le divorce. Mais je regardais, papa, je me suis dit, j'ai vraiment écrit les bienfaits, les qualités de mon mari. Et j'ai écrit ses défauts. J'ai vu que ses qualités
dépasser les défauts. J'ai décidé de rentrer. Mais il y a un message que Dieu m'avait donné. J'avais enlevé ma bague. Papa, j'ai pris mes habits. J'étais très fâchée. Les gens me voient sur les réseaux sociaux. Ils croient que je n'avais rien fait. Mais c'est toi, the whole process. Je devrais me poser tant de questions si je devrais rester dans le foyer ou pas. Et c'était douloureux parce que j'étais enceinte. Un moment, pendant 3 jours, mon bébé ne bougeait pas. It was hell in my marriage. C'était l'enfer dans son mariage. Voilà. Mm-hmm. Alors, mon mari m'a demandé pardon. Et papa, ce qui est bon dans ça, mon mari et moi, on a toujours cru dans le ministère de mariage. Donc, on tenait des conférences sur Instagram où on parlait sur le mariage. Beaucoup de gens disaient que c'était trop tôt pour nous de le faire parce qu'on avait 2 ans, 3 ans de mariage. On avait des messages. Toi, tu veux nous prêcher quoi? Tu n'as rien à nous dire. Ça fait seulement 3 ans que tu es marié. Moi, j'aime beaucoup le mariage. Jusqu'à aujourd'hui, je dis, si je pouvais me remarier, j'allais toujours me remarier avec cet homme-là. Mais malheureusement, ou je dirais heureusement, parce que ça nous a rendus très forts. Cette épreuve est venue. Et aujourd'hui, je suis en mesure de dire à une femme que c'est possible que tu traverses l'épreuve et que Dieu puisse te guérir. Je dirais encore, papa, que ce n'est pas le mariage qui te rend heureux. C'est 2 personnes heureuses qui rend un mariage heureux. Donc les gens me voyaient sur les réseaux sociaux, mais tu souris pourquoi? Tu fais semblant pourquoi? It's not marriage that makes me happy. It's God. C'est pas le mariage that makes me happy. Qui la rend heureuse, c'est Dieu qui la rend heureuse. And we went through counseling. On a vu le pasteur Ivan qui nous a appelé avec maman Maud à Kinshasa. On a eu nos parrains. C'est pourquoi il est très important d'avoir des bons mentors autour de toi. Parce que je pouvais faire l'erreur de divorcer sans écouter la version de mon mari, pourquoi il ne m'avait pas dit, sans écouter l'histoire entière et peut-être divorcer. Mais parce que j'avais des bonnes personnes autour de moi, mes parrains, mes parents, ma mère, les pasteurs qui étaient là, ils m'ont conseillé. J'ai écouté l'histoire de mon mari et on a conclu. À notre arrivée à Atlanta, il y a eu des témoignages qui sont sortis, des gens qui sont venus demander pardon, que c'était un coup monté. Pour le piéger, lui. Pour le piéger, oui, et lui faire la vidéo pendant qu'il s'habillait. Wow. Donc, je ne veux vraiment pas entrer en détail, parce que... Mais ton mari, très tôt, était repentant. Très repentant. Très repentant. C'est pourquoi même je suis restée. Très repentant. Ça n'a pas été une vie. Pas du tout. Ok. Pas du tout. Parce que, pasteur, il faut connaître à qui tu es marié. Il faut vraiment connaître à qui tu es marié. Si tu as déjà peut-être soupçonné... Donc, la première chose pour la guérison, c'est que tu l'as écouté. Je l'ai écouté. On a d'abord le souhait de parler. C'est à quel moment tu as fait le pour et le contre? Je crois que quand j'ai pris mes bagages, je suis allée chez mon grand frère, toujours à Kinshasa. Je me suis dit, peut-être ici, il y a beaucoup de voix. Parce que, pasteur, mon téléphone avait explosé des appels. Tu as celui-ci qui te dit, il faut divorcer, il faut le laisser. Toi, tu es quelqu'un de public. Et de ce côté, on te dit, il faut pardonner. Tu prends toujours sur le pardon, il faut pardonner. Donc, j'ai voulu moi-même entendre Dieu. C'est pourquoi j'ai pris mes bagages. Ça avait fait du mal qu'on était dans un même pays, mais on n'habitait pas dans une même maison. Je devrais moi-même écouter Dieu. Et j'ai entendu Dieu me dire, don't miss the price of your pain. The price of your pain. Ne manque pas le prix de ta douleur. De ta douleur. Voilà. C'est pour ça que je dis quoi littéralement. Ne manque pas le prix de ta douleur. Voilà. Don't miss it. Donc, Dieu a un plan. Alors, c'est pourquoi j'ai écrit le livre qui s'appelle Your Pain Has a Purpose. God is not a waster. Dieu utilise. Elle a écrit le livre qui dit ta peine, ta douleur a un objectif, a un but. A un but. And s'il vous plaît, if you don't have the book, grab it parce que ça va tellement vous bénir. Voici le livre à l'écran. Voilà. It's going to bless you tremendously. Le livre va te bénir, voilà. So, pastor, for me, it was something that humiliated me. Ça m'a humilié. Pour elle, c'était très humiliant. It was painful, but through it, God gave me a message. Mais au travers de cela, Dieu lui a donné un message. Et c'est pourquoi je veux dire à quelqu'un que toute épreuve que tu traverses, Dieu a un plan. God always has a plan with it. And today, papa, moi j'aimais beaucoup le mariage. J'ai parlé toujours sur le mariage. Dieu a dit, tu veux que je t'utilise dans le domaine de foyer? Ok, je te donne cette épreuve. Ah là là, encore tu m'as dit Yako. Très beau témoignage, très beau témoignage. Amen. Et tu vois, Déborah, à l'intérieur de ton témoignage, on a le process du Saint-Esprit. Comment est-ce qu'on est guéri? Amen. Alors, ce que je vais partager avec toi, donc, sur la base de la parole de Dieu, c'est comment est-ce que tu te sors d'une situation pareille? Amen. Je vais traiter quelques points, je ne pourrai pas tous les dire. Comment Dieu te sort de la situation pareille?
Et ici, vous avez vraiment opéré le travail du Saint-Esprit. Amen. Ce qu'elle a vécu, c'est le travail du Saint-Esprit. Amen. Alors, voilà la grande famille. J'espère que bison sont tout au Tukolanda audio ya sœur Nabiso Deborah Lukalu. Tolandi audio ana ndenge aza pour expliquer comment est-ce que diable alinga qui a utilisé pour détruire libala naye mais esimbiti. Problème yaba tu ezanini. C'est vrai que namokilo yoko sala to sala makambute pour na Hollande batu. Na mokilo to sala makambute pour na Hollande ke muto aloba kito muto na zolo babwe na sala epo atanga moko na lo bana bino liboso aboyi. Na sala likambu jamais pour na plaire muto msusu. Je fais des choses na mona ke et c'est pelisa ngamo kona no premièrement nzambe na nganga na nzambe na nga to sala comme un accord né na ko sala likambu. Dans l'Hollande, tu que non, non, ça, les cambois, pour nous, c'est un exemple, et nous, c'est là. Mais non, ça, les cambois, ma bé. Parce que, dans les cambois, comment il y a frère Nabiso Cédric Mobale, maman Nabiso Deborah Lukalu. Ma camion, soeur Deborah Zoloba, awa. Normalement, ça ne faut pas. Il y a mon frère Cédric, allez, quand les réseaux sociaux, à mes un peu, qu'on explique. C'est qu'on s'excuse des problèmes ya batu bazana ngo ya ngwana balingi kaka dié moko frère Cédric aleka a s'excuser dié moko frère Cédric aleka na TV po a s'excuser et puis makamnyo surtout ici là donc batu bakom na bango lokola bangonde banzambi Naoti la bino lisusu moi et le mamoko ya muke juste ya une minute notre sœur Deborah lisusu yemoko a s'expliquer lisusu pourquoi est-ce que a salaki émission oyo audio on a tout ça la bino parce que ça émission je peux pas mettre ça pour na ba copyright a expliquer lisusu donc naoti la bino ngo restez branché sur B52 la mignonne officielle aimez commentez partagez la vidéo, en tout cas, ça nous fera énormément du plaisir. De partout où vous êtes, si c'est pour la première fois, je veux juste vous demander de vous abonner. N'oubliez pas d'appuyer la cloche des notifications pour ne rater de nos prochaines vidéos. Bon, mais ça n'a tout bon de monde en aboué. Bobby, à partir de l'un de tout le monde en aboué, tout bon de monde en aboué, n'a pas aboué, n'a pas. Émission presque belle to bando sala to banda komuna na monana kaka ndenge ezalaka en tout cas na otche la bino lisusu elema moko ya juste une minute bolanda bino moko la sœur Deborah Lukalu ndenge moko azali ko expliquer donc bato bazo ko finga to tika ko finga bato oyo baza ko loba loba ke sœur Deborah azoba to tika ko finga sœur Deborah ke azazoba pourquoi parce que ayebi nini o nzambe a sali pona ye et puis ezala ki pona ye ba épreuve OK parce que elle aime beaucoup parler na makamba libala donc nzambe yanga ki a formé ye na eloko wana oya lobaka pour que lobi peut-être peut muto koko ko na même problème akoya koluka conseil pas na ye parce que ye moko j'espère boyo ki ndenga lobi ke ye moko si c'était que pour elle elle allait divorcer mais Nzambe o ya lola lokola yebininga brisaka batu jusqu'aujourd'hui aza toujours ensemble en couple avec son mari le frère Cédric voilà la grande famille je vous aime de tout cœur merci nabino batu bolanda rabiso na B52 la mignonne officielle merci derrière la caméra Abigail Kajima hein donc derrière caméra Abi Azawana et son muta simbeli biso son eza Enoch Sindu nde ya simbeli biso son la grande famille je vous jure que c'est du boom awana katia wa. Merci beaucoup en tout cas tomeka un peu kolanda tout le monde moi une minute oyoyo ye ezo kende ya Deborah. Un foyer, les enfants aujourd'hui souffrent. Pourquoi? Nos parents n'ont pas guéri des blessures. Tu t'es marié à une femme, elle est aussi brisée à cause de ses parents. Est-ce que tu me comprends? We, our children, deserve parents that have healed. Moi, je me suis dit, je dois guérir. Parce que mes enfants méritent une maman qui guérit, qui a déjà guéri. C'est vrai,
Je suis tombée, mais je me relève pour mes enfants. Amen. Je me relève pour ma génération. Amen. Je me relève pour des femmes that are looking, you know, that are inspired by me. Amen. Vous comprenez? Tout à fait. Le mariage, ce n'est pas pour les enfants. Acquire knowledge. Learn about marriage. And God will be the center Amen. Of your marriage. Amen. May God bless you. J'encourage une femme qui traverse des moments difficiles. J'encourage un homme qui se pose des questions. Go in prayer and may God be the center and the strength of your marriage. Amen. Amen. Donc, mettez le pardon, mettez l'amour au centre de votre mariage et en cela, vous connaîtrez un mariage réussi. N'est-ce pas avec ces mots que nous allons, bien sûr, clôturer cette interview et vous laisser, bien sûr, accompagné de M. Amos Kissage, chantre de l'Éternel. Ah oui. Et ensemble, vous allez élever, bien sûr, le nom du Seigneur. Amen. Et restez connectés, mesdames et messieurs, restez connectés parce que de très bonnes choses vont encore se passer sur ce direct Facebook.